Viens chez moi, j'ai plein de friandises. Je crois que j'ai le ventre qui gargouille. J'ai faim, vraiment. T'as faim? J'ai une merveilleuse option. Regarde le chef. Je vais préparer un repas pour Kate. Je vais faire des beaux brouillés maintenant. Alors, il a remonté le moral. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends plus rien. Et faisons un soir de cuisine à la table. Ou si je... Le bras et les jambes en place. Maintenant, c'est au tour des mains. La la la. Oui, ça va là? Le cube en haut? On va tous écouer. Oh, qu'est-ce qui va pas chez moi? J'arrive pas à m'en sortir. Et quoi, à la table? Oh, où suis-je? Oh, où sommes-nous? Écoute, maintenant, je vais y aller. Oui, tellement cool. Je vais m'asseoir avec eux. Alors, vous êtes prêts pour le challenge? Moi, je vais manger ce genre de gelée. Oui, faites-la pour moi. D'accord. Très bien. Je vais vous en faire un. De la gelée? Oh, j'ai du Fanta. Je vais ouvrir le couvercle. C'est un peu difficile à ouvrir. Ouais. Ouais, je pense que ça marche. Alors? Non. Ouais, je sais. Vas-y, tiens-moi ça. Comme ça, encore un peu. Oh, donne-moi ça, donne-moi ça. Oui, bien sûr, vas-y. Ouais, fais attention, Emma. Oui, quelle belle Fanta. Il faut faire de la gelée. Je vais ajouter du miel. Oh, j'adore l'odeur. Il faut goûter tout ça. Miam. C'est tellement sucré. Je vais en reprendre. Vas-y, dans la bouteille. Et oui, bien sûr, là, je l'ai. Juste un peu. Oh, n'importe quoi. Oh, oh oui. Maintenant, je vais tout mettre là-dedans. Vas-y, verse, verse, verse. Encore un peu. Oh non. Il faut faire quelque chose. Oh. Voilà. Tu as où? Oui, juste ce qu'il faut. Oui, j'adore ces abeilles. J'en ai besoin pour la gelée. Oh, 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 oh. Pourquoi vous êtes là? Non, mais pourquoi? Aïe. Non, mais j'ai besoin d'un peu de miel, c'est tout. Oh, je crois que c'est bon. Alors, maintenant, voilà, j'ai du miel. Il y en a tellement. Et il est super bon. Voilà, je vais en mettre un peu. Je vais le verser dans la bouteille. Et je vais bien la fermer. Maintenant, je vais tout bien, bien secouer. Cool. Et maintenant? Ah oui, je vais tout mettre dans le frigo. C'est mieux. Il ne reste plus qu'à attendre. Le chaudron est en place. J'ai une belle araignée. Et un magnifique cafard. Mmh, un brin de ce truc-là. Et une poêle magique, une poêle incroyablement savoureuse. Et bien sûr, une potion magique. Ça sert à un méga gelé magique. Mais qu'en est-il de tentacules de calmar? Ouais, ça va être super. Maintenant, je vais tout bien mélanger. Et voilà. Oh, c'est un délice de sorcière. Moi, je prends le babouba. C'est délicieux, ça. J'adore, c'est tellement lourd. C'est exactement ce qu'il faut. Je vais mettre tout ça dans le mixeur et vraiment beaucoup, juste ce qu'il faut. Et maintenant, je vais le remplir jusqu'au bout. Maintenant, je prends le miel. Oh oui, j'adore la qualité. Maintenant, je vais tout bien mélanger avec le miel. Et voilà. Ouais, c'est de la gelée ouba bouba. C'est parfait. Oh oui. Maintenant, je vais tout verser dans une bouteille. Et bien sûr, refroidissons tout là avec une glace liquide. Regardez, c'est juste ce qu'il faut. Moi, j'ai la plus délicieuse qui soit. Un look élégant, un arrière-goût inoubliable. Et bien sûr, un peu de paillettes.
Des paillettes magiques et rafraîchissantes. Je pense que c'est parfait. Je pense que c'est fait. Wow! J'adore cette bouteille de gelée. Regardez. Oh, wow! C'est tellement lumineux. Je vais commencer par le bleu. J'adore la couleur. Wow! Ouais, c'est super bon, ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une abeille? Alors, qu'est-ce que c'est que ça ensuite? Le rose, c'est appétissant. Oh, comme c'est bon, ça. Wow! Et maintenant, je peux faire des bulles. C'est super amusant et délicieux. Et voilà la troisième option. Oh, c'est un peu moins appétissant, mais je vais quand même essayer. Oh, oh! Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, je préfère pas le boire. Le rose est le meilleur. Non, je suis bon. Moi, je veux une sucette cette fois-ci. Comme celle-ci, elle est magnifique. Ah, je sais ce que je vais faire. Je prendrai le poupée. Juste une partie. Pour être exact, je les déconnecterai les bras. Et je vais prendre ce truc-là. Je vais mettre tout ça sur la poêle. Je vais ajouter du sucre, de l'eau. Et je vais tout bien mélanger. Ouais, mon bonbon va être noir. Je vais ajouter le colorant, je remue le tout. Oh oui, je pense que c'est parfait. La sucette est géniale. Maintenant, je vais verser la solution dans un verre. Et je vais mettre le stylo dedans. On va attendre un peu. Et on sort la sucette. Voilà. Du sucre brûlé sur les mains, c'est comme le manche d'une robe de soirée. Quoi faire? Ah oui, une cuillère, ça fera l'affaire. Je vais mettre du sucre. Il m'en faut plus, je vais utiliser le brûleur. Ça sera plus rapide. Ouais, c'est comme de la magie. Oh non, c'est vraiment très brûlé. Il faut essayer. Oh, c'est tellement chaud, ma langue. Ouais, je suis d'accord. Il est où le frigo? Je vais mettre tout ça ici. Juste ce qu'il faut. Oh oui, super. Je vais ajouter du sucre à ce sirop rouge. Ouais, j'adore ce délicieux bonbon. Parfait. Il ne reste plus qu'à remuer un peu. Oui, maintenant c'est prêt. Oh, c'est la saucisse que j'ai et je vais la rouler maintenant. Ouais, bellissimo. Il ne reste plus qu'à ajouter le blanc. Je vais en faire deux pour obtenir une sucette incroyable. Voilà. C'est comme sur le dessin. Ouais, je suis un génie. Alors, ma sucette, je me demande si c'est prêt ou pas. Oh oh. Non, j'arrive pas à bander. Ça fait mal. Mais je sais que c'est gelé. Voilà, regardez la sucette que j'ai. Wow, quel choix! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne sent même pas bon. Et le goût est dégoûtant. Et c'est quelque chose de très bizarre. Mais ça sent bon. Et le goût est vraiment incroyable. Quoi? Pourquoi elle a pris le nom de ma poupée? C'est horrible. Oh! Oh, cette sucette doit être goûtée. C'est tellement cool, miam! Oui, ça vraiment c'est le meilleur. Ouais! Ouais, je savais. Le dernier trait et voilà, une pastèque. Génial! Et comment en casser? Peut-être comme ça. Voilà, avec toute la force. Non, j'y arrive pas. Et moi, je vais utiliser une scie. Ouais. Non mais pourquoi tu fais ça? Non mais ça vole vers moi. Wednesday, fais attention. Regarde. Désolé mais c'est de l'art. Ouais, juste ce qu'il faut. Un cerveau parfait. Quel plat étrange. Je vais rendre beaucoup plus soigné. Alors, coupons un morceau.
Je n'aurai pas besoin de ça. Je vais prendre un mixeur et transformer le tout en liquide sans toucher à la couenne. Maintenant, je vais verser tout l'excédent. Ouais, ensuite, je vais verser la gélatine et un peu d'eau. Je mélange le tout. Je vais ajouter le colorant. Et je vais tout bien remuer. Ouais, j'en aurai si de ces trucs. Oh, c'est dégoûtant, ça. Je suis pas d'accord avec toi. Continuons. D'abord, je vais verser la gelée rouge. Puis l'orange. Puis le jaune. Je vais mélanger toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Faire des couches. Et recouvrir d'un couvercle en forme de pastèque. Oh ouais, génial. C'est quoi ce bruit? Ouais, je vais tout bien casser. Oh. Non, je me suis coupé le bras. Oh. Oh non, il faut que je l'aide. Oh, non, mais mes mains. Je suis comme un chat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ne frappe pas sur la pastèque. Voilà, le clic, c'est tout. C'est tout. Merci. Oui, je suis comme ça. Alors, je vais prendre une cuillère. Je vais essayer de me retenir. Et... voilà, c'est ma recette. Bon appétit. Par quoi commencer? Bon, je vais commencer par celle-ci. Vous voyez, je prends le morceau. Et je goûte. Une pastèque comme une pastèque. Oh, c'est quoi ces cerveaux-là? J'ai pas envie de les manger. Bon, je vais manger ça. En fait, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je dois le manger? Est-ce que je dois le couper ou quoi? Je vais prendre le couteau pour ça et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh! C'est vraiment intéressant. Waouh! La pastèque la plus savoureuse. Elle est tellement bon. Vraiment incroyable. Bien sûr, on l'a gagné. Qu'est-ce que t'as dit? D'accord. Ouais, c'est autre chose, ça. Ce n'est pas juste. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça ira. Je veux des pâtes. Des nouilles? Ouais. C'est même un enfant peut le faire. Il y a des nouilles instantanées. J'ouvre le couvercle. Je mets l'assaisonnement. Et je mets la bouilloire. C'est tout. Et... quel gâchis! Wednesday, renverser des asticots dégoûtants sur les assiettes! Je pense que Paige va pas aimer ça. Je vais les jeter. Oh, n'importe quoi. D'accord. Je vais lui faire des pâtes. Je vais juste ajouter de l'eau. Un peu de colorant. Ouais, colorant rouge. Je remue. Maintenant, je vais utiliser mon ségateur pour couper l'excédent des pailles. Pendant que ça gèle, je mets le liquide. Voilà, des biscuits Oreo. Personne ne regarde, je peux pas m'empêcher. La crème est vraiment bonne. Maintenant, je vais faire des miettes. Voilà, la gelée. C'est pas mal. On dirait des verres. Je vais tout mettre ça. Voilà mes spaghettis. Oh, Wednesday, comme toujours. Et moi, je vais faire des pâtes maison. Voilà. Maintenant, je vais la mettre dans l'eau bouillante. Oh, des pâtes fait maison. Non, mais pourquoi faire comme ça? Si tu peux juste mettre de l'eau chaude. De l'eau bouillante. Voilà, on ferme. Oui, je ferme. J'y arrive pas. Oh, je sais. Ouais, je vais bien la fermer. Oh, à point, Betty. Oh, oui, bien sûr. Bon, ma pâte est presque prête. Et je vais la frire juste comme ça. Oh,
point juste parfait. Bien sûr, un peu de fromage râpé. Et quelques tomates pour décorer. Super beau. Mais regarde, mes noix, ils sont bonnes aussi. Oh, non, mais j'arrive pas à ouvrir. Quoi faire? Je sais. Je vais juste mettre la paille ici, avec le chewing-gum. Ça va être même plus pratique. Tada! Ouais, c'est fait. Oh, vous avez beaucoup cuisiné. Ah, je vais commencer par l'option la plus sûre. Oh, c'est pas trop dur, ça? Ça a l'air bizarre. C'est sec? Non, pas cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Des asticots dans le sol? Non. Bon, je vais essayer. Bon, Paige, tu peux le faire. Oh, attendez une minute. C'est très bon, c'est de la gelée et des Oreos. Bon, j'ai pas besoin de la fourchette. Si j'ai bien compris, je vais juste mettre la paille ici. C'est le chewing-gum mâché. Berk. Je vais essayer. Oh, c'est bon ça. Et les nouilles sont bonnes aussi. Ben, t'as gagné. J'adore ces nouilles. Oh, vraiment? Moi? Ouais. Ouais, moi. Oh, désolé. Alors? Oui, comme ça. Regardez. Je veux un biscuit aux pépites de chocolat. Comme sur la photo. C'est absurde. Il n'y a rien à faire. Il suffit de les sortir de la boîte. Voilà. J'en prendrai un. C'est bon, ça. Et qu'est-ce que vous avez? Je ne vais pas perdre cette fois-ci. Nous allons prendre de la farine, du lait, deux œufs. On mélange le tout. Maintenant, on doit étaler la pâte. Une affaire simple pour moi. Ce n'est pas pour rien que j'ai mon rouleau à pâtisserie préféré. Maintenant, je découpe les futurs biscuits avec ce moule-là. Oui, il y aura plusieurs formes. Oui, c'est mon moule préféré. Oh! Wednesday, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est juste un truc pour faire la pâte. Il faut bien couper. Et maintenant, ça va être la forme des doigts. Et bien sûr, un ongle. Et maintenant, je vais tout mettre ici. Voilà le glaçage. De l'eau. Et le colorant vert. Maintenant, je vais tout bien remuer. Et je vais bien colorer les doigts. Alors, il est temps de brûler tout ça. Voilà la lumière. Oh ouais. Voilà, c'est fait. Alors, t'aimes bien ma cuisine, Betty? Oh, c'est très inhabituel. Mes biscuits sont aussi cuits. Maintenant, je dois les recouvrir de chocolat. Mais j'ai autant de couleurs de chocolat que de moules. Je n'ai plus qu'à les superposer. Mes biscuits pour hamburger sont prêts. Génial. Oh, n'importe quoi. Oh non, vous êtes tellement lent. Oh non, est-ce que j'ai mangé tous les biscuits? Oh, j'ai une idée. Je vais faire frire les toasts. Je prends de la pâte de chocolat blanc. Ça sent bon. Oh. Le toast est brûlé. Bon. Je vais juste le découvrir de pâte et le mouler. Oui, c'est comme un Oreo. Quoique, oui, c'est la bonne forme. Je vais manger le surplus. Voilà, juste ce qu'il faut. Oh, c'est dégoûtant même pour moi. Bon, essaye, Paige. Wow, vous avez vraiment fait de votre mieux. Tout le monde à part Ben. C'est quoi ça?
Quelqu'un a mangé ça avant? Non, ça coule. Non, merci, je mangerai pas ça. Alors? Je pense que je vais manger ces doigts de la sorcière. Ça a l'air bon. Et ça a très bon goût. C'est délicieux. Et maintenant, je vais essayer ce burger. Il y a tellement de couches. C'est exactement comme un vrai burger. Oh! Oui, j'adore le pain. Et je vais tout essayer. Oh, c'est croustillant. Et chocolaté, j'adore. Betty, t'es la gagnante. Moi, je suis tellement contente. Je suis super ravie, hein. Abonne-toi sur Multido Challenge pour ne pas manquer les mêmes challenges appétissants. C'est toujours super amusant avec nous. À bientôt.